Par rapport au banc, c'est surtout des évolutions électriques, parce qu'on a reçu des nouveaux capteurs du Japon la semaine d'après le Mans. Donc il n'y a pas de grosses évolutions mécaniques, mais il y a des évolutions au niveau fiabilité électricité. Voilà, c'est surtout ça. On a validé pas mal de pièces à Albacete il y a 15 jours. Et là, hormis les chutes, on n'a pas de soucis. Au contraire, la moto marche bien et tout ça. En puissance, on est aux alentours de entre 198 et 205 chevaux. Entre 195 et 205 chevaux. Pour une course de 24 heures, on limite un petit peu le nombre de tours moteur. Pour économiser un peu le moteur, on ne prend pas 14 500, on prend 13 800. Et même ici, on a fait nos temps avec 13 800 tours.